All right, kiddo. Time for bed. Please read me another chapter before I go to sleep. Okay, but after that, it's lights out. Okay. All right. So this chapter is about a pirate named Captain Crown who lived right here in Louisiana. Maybe even in this very house. That's scary. Some folks believe it's scary, mega scary. Et Trump sonore, salut tout le monde. On se retrouve sur ce 13ème Skull. Écoutez, bonjour à tous, c'est Draco, j'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui. C'est Draco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 13ème Skull aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos proches et vos animaux de compagnie se portent bien aussi. Et veillez sur eux, c'est très important, très très important. Et nous, on va commencer notre aventure, c'est parti direct, on va continuer. Donc on en était rendu ici, dans le bar, il fallait qu'on rentre. Allez, on va vers le bar. Ratisser la ville pour obtenir des informations sur la disparition de Monsieur Lawson. Ok, c'est parti, ambiance magnifique de ce bar, de marais, avec un crocodile et des perles dans la bouche, ça ne rigole pas. Il m'a l'air Vinton. Parler à Vinton. On lui a même pas parlé et on connaît son nom. Vous voyez, marqué parler à Vinton. Ouais, ils auraient pu parler à un inconnu. Et une fois qu'on l'a connu, parce que là, parler à Vinton, alors qu'on lui a jamais parlé. Comment ça se fait qu'on sait qu'il s'appelle Vinton? Moi, ça me scie un peu les nerfs, mais bon. Ouais, et en plus, il y a quelqu'un qui rigole là. Bon, attendez, je reviens, j'en ai pour 2 minutes là. Can't you see I'm a little busy? Voilà, me revoilà, excusez-moi. Franchement, vous êtes bien sympa, franchement. Franchement, vous êtes bien sympathique. Bien sympatoche. Donc, il y a une petite bougie ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, une petite bouteille, ça a l'air d'être, je sais pas, du... Je sais pas non plus, le billard, qu'est-ce qu'on peut faire? Examiner la queue de billard, ouais. Ah, elle est tombée, donc, je sais pas, elle est tombée. Vers la cuisine du bar? Non. Il y a lui, on peut parler, est-ce qu'on peut aller de ce côté-là? Lot of good looking ladies in here tonight. Pas mal de belles nanas ce soir, ah bon? Bah, je suis désolé, mais moi je vois personne. Bon allez, discutez avec la tenancière. Bienvenue dans mon humble taverne, étranger. Vous cherchez la commande à livrer? Stranger. J'adore ce nom, Stranger. Étranger. The chicken gumbo? Le gumbo au poulet? Ah, c'est pas grave, mon chou. Je pensais que tu venais du bourg de la route. Parce que notre cuisinier, Lamont, ne s'est pas dérangé à venir travailler ce soir. Il paraît que son goitre le fait souffrir en fonction du temps. Vous savez quoi? Vous avez tout l'air de savoir vous débrouiller dans une cuisine. Vous voulez pas voir si vous arrivez à me faire ce gumbo? C'est pour le petit nerveux qui habite au bout du sentier. Waouh, on doit préparer du gumbo, je sais même pas ce que c'est, nous demande de préparer un truc du gumbo, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est du gumbo. Waouh, chercher ces ingrédients. Waouh, ça m'a l'air du maïs, de l'oignon, du piment, du poulet, du sel, une espèce de sauciflette, saucisse, quelque chose comme ça, et des petits pots de tomates. Ok. Jouer et attraper la poupée? C'est quoi ce délire? Ah, on peut jouer à la machine à jeu? Sérieux? Je n'ai pas le temps pour jouer. Ah, c'est dommage, ça m'aurait fait kiffer de jouer au jeu, vous savez, comme à la foire, là, avec les pinces qui attrapent les petits nounours, même tu mets 1€. Eh ben, disez-vous bien qu'avant, dans les foires, ce jeu, il était à 1 franc. Ok? C'est passé à 1€. Donc, l'État nous a enfilé. Vous pouvez faire le calcul. Quand tu passes de 1 franc à 1€,
I just came down to have a few drinks. Juste, ouais, bah, comment, vers la cuisine? Bah, ok, hein. Les poissons, ça me donne pas envie du tout. La saucisse, ça, hein. Ouais, ça, c'est quoi ça? Ouais, une espèce de double saucisse. Double saucisse. Non, mais on va pas trouver tout ça ici. Me faites pas dire qu'on va trouver tout ça ici. C'est quoi ça? Allez, on cherche. Super, ça. Non? Ah ok, j'ai cru que c'était... non, d'accord. Donc, alors, il faut trouver une râpe. Là, je vous dis les objets qu'il faut trouver. Ok, tout le monde. On doit trouver une râpe. Ok, tout le monde, les Sherlock et les Watson. Les Dr. Watson, on est tous sur l'enquête. On est tous sur cette enquête. On est parti. La râpe, donc la râpe, le citron, citron vert. Rap, citron, citron vert. Citron vert, c'est ça. Ok. La rap. Est-ce que je la vois rapidement? La rap. La rap. Non, je la vois pas rapidement. Donc, rap, citron. Donc, un citron. Un petit citron, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ok. Un petit citron, c'est pas ça. Ouais, je sens que ça va être chaud pour le citron, là. Ouh là là, vous savez quoi? Je sens que ça va être chaud. Sachet de thé. Peau de miel. Ah, peau de miel, c'est ça. Ok. Du tumouche. Tumouche, c'est ça. Marque de café. Gants en caoutchouc. Thermomètre à viande. Montre tomate. Bah, tomate, c'est ça. Montre, c'est ça. Ah non, c'est un thermomètre? Bah dis donc, en voulant trouver une montre, j'ai trouvé un thermomètre. Moi, je suis trop balèze. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand on a le talent, on a le talent, hein. C'est tout, hein. Faut pas chercher... J'allais dire, faut pas chercher à midi à 14h. Mais qu'est-ce que c'est que ces expressions, ça? Hein? Ça, c'est du citron, ok? Alors, qu'est-ce que c'est ces expressions à Mormoileneuil, là? Faut mettre de l'eau dans son vin. C'est n'importe quoi. Si tu mets de l'eau dans ton vin, tu vas gâcher le vin. Surtout si c'est un vin d'une époque de ouf, un vin de 1600 ou de... Hein? De 1700, là. C'est une souris, ça? Ils ont pas dit trouver une souris? Non? Ah, attendez, je piche plus rien, là. Je suis désolé, hein. Mon nez, il coule. J'irai peut-être me moucher de temps à autre. Une marque de café. T'es sérieux? Une marque de café. Montre, marque de café, gants en caoutchouc. Ah, les gants, il me semble les avoir vus. Voilà, il est là, les gants. Voilà. Sachet de thé. Ah bah c'est ça. Et hop, ni vu, ni connu. Je t'embrouille, mon gars. Du riz? Du riz? C'est ça? Ça, du riz? Pas ça? Ah bah la râpe, c'est ça? C'est ça? Non, mais ça c'est une... Ah non, c'est pas une râpe, c'est plus épais. C'est pas ça une râpe quand même. Non, c'est pas ça. Du riz, non mais attendez, du riz. Du riz. Ils sont sérieux là? Vous savez quoi? Je me pose vraiment une question. Donc il reste une montre. Montre, marque de café. Riz, rap. Bah, indice, hein. Oh non, c'est pas du riz, ça. Ah non, s'il vous plaît, me dites pas que c'est du riz. C'est bon. Je n'aurais jamais trouvé ce riz. Marque de café. Ah bah une râpe, c'est ça l'on dit du. Et voilà. Marque de café, montre. Non, non mais sérieusement? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Marque de café et montre?
Une marque de café. Ah, pas une marque, genre la marque, le nom. Une marque. Ah ouais, une marque. Donc une marque, ça peut être ça. Voilà. Je me disais une marque, genre la... Pourtant, une marque, ça s'écrit... Ouais, non, c'est ça. Parce que une marque, pour dire par exemple des marques de noms de café, eh ben ça s'écrit M-A-R-Q-U-E. Parce que c'est une marque, c'est une marque. Là c'est marque, M-A-R-C. Donc c'est une marque genre par terre. Ça aurait pu être ça, n'empêche. Mais bon, je savais, j'avais vu que c'était ça. Une montre. Je crois qu'on va se péter les dents sur la montre là. Vous savez quoi? Je suis en train de regarder partout, mais on va se péter les dents sur la montre. Ouf, remarque, quitte à se péter les dents, autant que ce soit pour essayer de trouver une montre, hein. Bon, indice. Oh non, 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 mais là c'est des ouf. Là, mais là, regardez la montre. Est-ce que vous avez vu la montre? Elle est où? C'est l'évier et elle entoure le jamais. Qui peut trouver ça? Qui? Personne. Personne peut trouver ça. Bravo détective, vous avez trouvé les objets cachés à cet endroit. Cet objet va être ajouté à votre inventaire, vous pourrez l'utiliser plus tard. Ah bah pot de miel, c'est pour les abeilles à la maison. Hop, vous avez mon esprit de déduction carrément commun, hyper commun. Inspectez le gumbo. Ok, inspectez le gumbo. On dirait qu'il manque quelque chose dans ce gumbo. Ouais, et on peut pas mettre des trucs. Si, on peut mettre ça. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le miel? Non, c'est bien ce que je me disais. Le miel, c'est pour les abeilles. Le miel, c'est pour les abeilles. Le miel, c'est pour les abeilles. Vous voyez ça, c'est la petite pièce. Ça nous aurait permis de jouer au jeu avec les pinces là, non? Vous trouvez pas? Bah moi franchement, je trouve qu'on aurait pu. Hein. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc. Voilà, merci beaucoup. Et voilà. Excusez-moi donc. Je crois que je ne vais pas manger ici de sitôt. Ouais, moi aussi. Parce que quand je vois ça, je sais même pas ce que c'est. Et j'ai même pas envie qu'on me dise ce que c'est. Ouais, pareil. Y'a rien d'autre ici, hein. Y'a rien d'autre. Non, y'a rien d'autre. On peut pas examiner autre part là? Ils sont sérieux? Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans cette cuisine là. Mais c'est ouf! Et si on. C'est... Non, non, pas là. On peut pas sortir? Non, pas sortir. Ok, donc. C'est ouf! Ah bah c'est ça! Et boum! Un piment! Je vois pas ce que le piment il ferait ici tout seul sur la table, mais bon. Que voulez-vous? A mon avis. Hein, on est dans une petite bourgade pas nette du fin fond des États-Unis. Ah bah non, parce qu'on est en Grande-Bretagne, je crois. C'est exactement. On peut s'approcher du bar pour voir mieux là. Can't you see I'm a little busy? C'est qui me parle? What you drinking, Shug? Qu'est-ce que je vous sers? Je suppose que tous les chiens ont des puces. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je suppose que tous les chiens ont des puces. Je suppose que tous les chiens ont des puces. Si vous ne buvez pas, pas la peine de faire des clins d'œil. Ah ouais. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouh, elle est bizarre elle. Can't you see I'm a little busy? Mais non, mais il manque trop d'ingrédients là, il manque trop d'ingrédients! Il y a une belle musique bien sympathique. Chercher les ingrédients manquants dans le gumbo. Pour le gumbo dans le bar.
On dirait qu'une palette de tomates vient d'être livrée sous le porche sur le côté de la taverne. Eh ben voilà, j'avais dit, est-ce qu'on pouvait sortir? Il me faisait pas sortir, donc c'est bien ce que je pensais. Ce n'était pas ici, il fallait aller dehors. Et voilà, il fallait aller là peut-être. C'est lui qui vient de livrer quelque chose là, ou alors c'est ici. Voilà, c'est ça. Et allez, ça vient d'être livré, comme par hasard. Et allez. Donc la preuve que c'est pas... le maïs il est là, non mais attendez, non mais là, oh, oh, là il pousse, il y a toujours quelqu'un dans les toilettes là? Hey, give me a minute. Ok, ok, je reviens tout à l'heure frère. I'm almost done. Ok frérot, c'est bon, calme-toi. Mais du quoi, you understand? Why? Go away. Why? No way. You understand? Ok frérot, ok frérot. Ah bah il est là le sel. Ah non mais franchement c'est des barjots hein. Ouais, eh, franchement. Y'a quelque chose qui me dit que bon, la tenancière, elle s'est pas trop rangée ses objets, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ses objets, attention. Pas ses objets, ses aliments. Il reste un poulet. Ah ouais, c'est glauque là. Hey, give me a minute. I'm almost done. Le poulet. Le poulet, le poulet, le poulet, le poulet, le poulet. Je regarde partout. Je regarde partout, je vois pas de poulet. C'est pas là-dedans? Pas inspecté? Mais non, c'est pas ça que je veux inspecter, c'est les cartons. On peut pas? On peut aller dans le couloir là? Non, on peut pas? Ok, le poulet, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, bon donc ça c'est un faux poulet. Bon, non mais attendez, parce que là vous rigolez, mais je me suis dit que ça c'était un faux poulet, hein, mais je me suis dit bon, dans le doute, vu que comment les gens ils sont un peu bizarres ici, je me suis dit bon, hein. Il pourrait très bien mettre ce genre de poulet en plastique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, franchement, le poulet, là, c'est... Ah, vous voyez le bug? Il pleut à gauche de l'écran, parce qu'en fait, là, il y a la fenêtre, et vous allez voir dans la vidéo, il y a un bug, il pleut là où il fait noir, en fait. Parce qu'il pleut dehors. Ah, la fenêtre ici que vous voyez là, bah là c'est une continuité, vous voyez. Mais bon, il y en a, ils voient pas. Alors c'est pour ça que je montre avec ma souris, parce que vous voyez, là, il pleut. Mais comme il pleut dehors, bah là, ça fait il pleut dans le noir, vous voyez, à côté. Donc c'est une espèce de bug. Mais bon, c'est pour ça que j'explique, parce que il y en a qui ont peut-être pas vu. Alors c'est pour ça. Parce que moi je sais que parfois, hein, et bah, c'est très important de voir les choses que les autres voient, mais que nous, on peut pas voir. Vous voyez ce que je veux dire. On a toujours pas trop trouvé le poulet. On a une clé. On n'a pas de clé? Mais si on a une clé. Ah, clé lune. Ah bah ça c'est pour mettre la porte du cimetière ça. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? C'est quoi ça? Bidon d'essence. Je me rappelle qu'on devait faire un truc avec le bidon d'essence. On peut pas fouiller dans les cartons là? Non? Ok, on va aller par là. Allez hop. Voilà, là-dedans. Chut. Non, là. Voilà. Voilà le poulet. Voilà. Allez, c'est bon. Let's go. Non, je veux partir. Laissez-moi partir, non, s'il vous plaît, laissez-moi partir, non.
only private, private only. On va mettre ça, on va mettre ça dans le gambo. Les gambo, gambo. Y'a des gambo vers les oreilles, des gambo pour faire les pieds. Des gambo pour les oreilles, des gambo pour la télé. J'adore, j'adore les gambo pour regarder la télé. Ça fait office d'heure d'œuvre quand je regarde la télé. Le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo. Le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo, le gambo. Ok, tomate. Un petit pimentes. Pimentos, pimentos. Ça. Ouh, ça sent. C'est quoi ça? Pourquoi on prône là ça? Ah, commande de gumbo. Ok, pour peut-être la livrer quelque part. Et là. Livrer le gumbo au voisin au bout du sentier. Ok. Ah, ok. Je pense que c'est le gars qui nous tire dessus avec son pistolet. On va l'apater avec un peu de gumbo là, vous allez voir. Et là. Mes compléments au chef. Non, mes compliments plutôt. Pourquoi les compléments? Compléments, c'est les compléments alimentaires. Pourquoi il rigole? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Bien le bonjour, stranger. Moi, c'est Vinton. Ravi de faire votre connaissance. Je travaille à la bibliothèque à Rasland. Normalement, à cette heure-ci, je devrais être en train d'actualiser des fiches de catalogue, mais j'ai entendu dire que cette soirée est réservée aux dames ce soir. Alors je suis venu faire un tour au bar pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouver chaussures à mon pied. Prenez une chaise, on va causer un peu. Eh, mais lui, il a une tête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas censé être le boulot du shérif de retrouver les gens disparus? Ce serait pas que ce type vous doit de l'argent, hein? Ce serait pas ça? Vous êtes joueur, stranger. Histoire, l'histoire, c'est sombre histoire. Excusez-moi. Histoire. Écoutez, après quelques verres, j'en oublie ma propre histoire. Alors celle du voisinage, vous pensez... En plus, les informations que vous cherchez remontent à pas mal de temps maintenant. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous me battez aux dames, je pourrais faire en sorte que quelqu'un vous trouve des infos sur la maison dans laquelle ces gens ont emménagé. Ça vous dit ou quoi? Ok, je vois qu'il y a un damier ici. Jouer aux échecs avec Vinton. Avec Vinton. Non, à mon avis, c'est les dames, c'est pas les échecs. Je pense que les échecs, ça aurait été trop compliqué pour ce genre de... Ouais, écoutez, livrez le gumbo au voisin. On va y aller, hein. C'est notre quête. Écoutez, on y va. Le bout du sentier, c'est peut-être par là, remarquez. Station service. Ice, ça c'est ice, ice cream crazy. Bonjour, petit corbeau. Mais non, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, petit corbeau, ne t'en va pas. Mais non, c'est pas là que je veux aller. C'est plus loin, ici. On va pas aller encore plus? C'est soit le bar, soit la station service, et par là. Et par là, c'est quoi? Vers la station service, vers la station service. Ok. Et là, c'est toujours fermé, magasin de Mama Aimée. Ouais, fermé. Ouais. Donc, on va faire ça. Ouais, c'est par ici, je crois. Hein. Attendez, j'espère ne pas me tromper là. Ok. Donc là, on va ici. Ah, le voilà, les plantes. C'est ça que je voulais faire l'autre fois, avec ça, le sécateur, la cisaille. Non? On peut pas cisailler les plantes? Attendez. Ça. Attendez. Ah, ça y est, la vache triste. Ah non, mais cet endroit ici, c'est la vache triste de ouf, là. Hein. Tournevis.
Non. Inspecter le banc? Je ne vois pas l'intérêt de s'asseoir sur un banc trempé par la pluie. Bah, c'est pour le fun, man! C'est pour le fun, man! Ok, clé du cimetière. Bam! Allez. Clé lune. Clé de la lune? Ok! Ah ouais, il nous redonne la clé? Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Et si je la mets là, ça marche? Une serrure en forme de carreau. Ah, donc en fait, j'ai tourné, et il me montre comme quoi c'est pas les bonnes clés aux bons emplacements. Hein. J'ai bien l'impression que c'est ça. Hein. C'est quoi? J'ai bien l'impression que c'est ça. On va chercher. Allez, on continue. Voilà, c'était lui. C'est lui, c'est lui qui attend la livraison de Gumbo, je parie. Au voisin, au bout du sentier. Bah là, on est au bout du sentier et le voisin, c'est lui. Hein. Ah ouais. Travis, trop fort. Franchement. C'est Travis dans toute sa splendeur. Je sais pas si vous connaissez des gens dans des séries qui s'appellent Travis, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, il y avait une série que je regardais, il y avait quelqu'un qui s'appelait Travis, il était exactement comme lui. Bon, il était plus jeune, mais il avait la même dégaine. Well, ah, regarde donc. Mais voilà mon dîner. Ok, faut lui mettre dans la main. Ben j'appuie hein frérot. Je ne sais pas quoi penser du fait que ce soit un stranger qui me l'apporte. Vous savez, nous les gens du coin, on se méfie des étrangers. Ok, Monsieur Lawson. Monsieur qui? Ah, vous voulez dire ce mec qui s'est installé dans le manoir à côté là? Je ne savais même pas qu'il avait disparu. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il avait pas l'air complètement net à farfouiller partout, comme s'il avait perdu quelque chose de précieux. J'ai aussi entendu dire que le couple qu'ils ont embauché pratique je ne sais quelle magie démoniaque. Magie noire, propriété. Propriété. Cette maison a fait l'objet de spéculations pendant un bon moment. Maintenant, je ne saurais pas vous en dire plus sur l'histoire de la maison, mais je peux vous dire une chose, ça m'étonne que les Lawson s'y soient installés. Comme elle est maudite et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas du coin, tout cela n'a aucun sens. Je m'excuse, il y a une petite phrase que j'ai pas pu lire parce qu'elle est passée extrêmement rapidement. Vous savez, du vaudou? J'entends dire que Mary Lee traficote avec les esprits et tout ça. Si j'étais vous, étranger, je garderais mes distances. Mieux vaut éviter de devenir sa prochaine cible. On ne rigole pas avec ces choses-là, vous savez quoi? La malédiction du pirate Phineas Crown. Certains croient que c'est lui qui a construit le manoir et que son fantôme erre encore entre ses murs, tandis qu'il surveille d'un œil acerbe tous ceux qui tenteraient de lui dérober son trésor. Écoutez, étranger, j'aimerais bien continuer à discuter avec vous, mais ma femme m'a embêté toute la semaine pour que je répare le vieux climatiseur. Si vous acceptez d'y jeter un coup d'œil et de réparer le climatiseur, je veux bien vous en dire plus sur la pirate. Ok. Alors, le 17, ce qu'on l'avait lu. Oui, ça on l'avait lu. Le 17. D'après Madame Lawson, son mari passait beaucoup de temps en ville. J'ai donc emprunté l'allée boueuse qui mène au centre-ville et pour en apprendre davantage sur le disparu. Le mot ville est assez inexact pour décrire ce bourg rural. On y trouve à peine plus qu'une station-service, un magasin de vaudou et un bar louche appelé le Drink et Swaller. Les deux premiers étant fermés, je pousse la porte de la taverne. Quelqu'un pourra bien me fournir des renseignements ce soir. C'est réservé aux dames. Ok, ça on l'avait lu.
J'ai dû préparer un gumbo au poulet pour la tenancière, en manque de personnel. Elle m'a ensuite demandé d'aller livrer la commande au voisin plutôt farouche de Lawson, Travis la gâchette, Landry. Landry n'a jamais fait la connaissance des Lawson, mais il connaît bien leurs employés, Marie et Lewis Lee. D'après Landry, Madame Lee est une adepte du vaudou. Il m'a même conseillé de garder mes distances avec elle. Monsieur Landry m'a parlé des rumeurs au sujet de Marie Lee et m'a dit qu'il lui semblait qu'avant l'arrivée des Lawson, la demeure était toujours restée inhabitée. Un fait qu'il attribue à la malédiction d'un pirate du nom de Phineas Crown. Au moment où j'allais lui demander de m'en dire plus, sa femme est apparue par la porte d'entrée pour le réprimander et lui reprocher de ne pas avoir réparé le climatiseur. Peut-être que si je réparais, il m'en dirait plus sur ce mystérieux pirate. Ok, Travis, Landry, stranger. Fil rouge, fil bleu, fil vert. Tout m'est passé à travers. Oh, c'est quoi ça? C'est un hibou? Vous avez vu ici? Voilà. Ah non, c'est un petit chat. Il se cache, et là. Un soutien-gorge, bonnet D et d'autres vêtements flottent sur la corde. Ok, là je suis en train de chercher ce qu'on me demande. Mais à mon avis, c'est pas là. Ah, c'est pas là. Est-ce que je peux rentrer? Cooter, personne n'entrera ici tant que ce climatiseur sera hors service. Ah ouais, rigole pas du tout, elle. Miserica, il fait plus chaud que dans le derrière d'une chèvre. Ah ouais, pas mal les répliques. Cooter, personne n'entrera ici tant que ce climatiseur sera hors service. Vers le côté de la maison. Allez, on va bien trouver des choses ici. Un petit ventilateur. Non mais là y a pas quelque chose là avant de bon bah écoutez on va faire ça hein. Escargot, tendeur, voiture à pédale. Est-ce qu'on voit ça d'un coup d'œil? Escargot, tendeur, voiture à pédale. Un tendeur. Ouh, c'est ça un tendeur. Une fraise, une pioche, reptile. Fraise, pioche, reptile. Ok, pincette, pomme d'amour. C'est ça une pomme d'amour. Yes, je m'y connais en pomme. Bobine, vase, maquillage, bec, besen. Belzès breakdown. Bam. Tout sort d'une ronde. Belzès breakdown. Bam. Ok. Escargot. Yes, I. Une fraise. Un peu moisie, mais c'est une fraise quand même. Une pioche. Let's go. Vase, maquillage, Beck Bunsens. Ah, Beck Bunsens. Je vais jamais trouver un Beck Bunsens. Je me souviens plus, ils nous l'ont demandé une fois, mais je me souviens plus, ça ressemble à quoi? Un reptile, bah c'est ça un reptile. Voilà. Les reptiles, hein? C'est mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Voiture à pédale. Ça me dit un truc, ça. Ah, c'est ça! Let's go! Une petite pincette! Pour pincer. Allez, une petite pincette là. Faites pas votre bêcheuse. Petite pincette. Non mais de toute façon c'est tout pour nous emmerder. Il fait sa bêcheuse parce qu'il reste 2-3 traces de jaune d'œuf dans les assiettes et les couverts. Alors qu'il y a ça de merde partout. Non mais moi c'est pas ça. C'est parce que demain matin je devais aller voilà, demain matin tôt, hein, et je fais comment moi maintenant? Oh là là, mais ça me gonfle! Et il exagère pas l'autre un peu avec ses traces de jaune d'œuf là? Ah non, mais c'est tout pour nous emmerder, hein. Bon, et vous allez me parler de qui? Hein? De Marc Aurèle? Mais même lui, il les aurait séquestrés.
Bon. En tout cas, je suis en train de chercher la pince. J'arrive pas, je suis en train de péter les câbles. Qu'est-ce qu'il regarde, le chat? Il regarde pas une pince? Une bobine! C'est le chat qui m'a indiqué qu'ici il y avait un truc. Oh, comment je suis observateur. Non, 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 jamais, 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 jamais il se pointerait ici. Ou alors, il m'offrirait un cadeau qui vaut la moitié de son royaume. Bah, peut-être qu'il veut discuter, hein, tout simplement. Non, 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 ah, discuter, non. Après avoir fait un coup pareil, hein, jamais. Ouais, je vais jamais, je vais pas trouver, je vais pas trouver, c'est trop compliqué là. Ça c'est quoi? Du maquillage, waouh, 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 waouh. Pincette, vase, backbunsense. Backbunsense, je sais même pas ce que c'est le backbunsense. Je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Jamais, 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 vous entendez? Jamais. Ah, backbunsense, ouh, ah. Une pincette, ça devrait être extrêmement facile à trouver, regardez-moi ça. Une pincette? Comment trouver une pincette là-dedans? Oh, une pincette? Comment tu veux trouver une pincette? Comment tu veux trouver une pincette? Comment tu veux trouver une pincette? La 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 la. Tout sort d'une ronde, Benzes Breakdown. Bah bah bah. Tout sort d'une ronde, Benzes Breakdown. Bah 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 bah. Je vois pas. Je vois pas. Je vois rien. Un vase, c'est ça un vase? C'est un pot à brosse à dents, ça, nos didiou. Ouais, un vase, c'est ça. Non, j'aurais jamais capté. Mes yeux, ils sont passés par là. Au moins 25 fois et... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? 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 Excusez-moi deux secondes, il se passe des choses bizarres ici, il se passe des choses bizarres ici, il se passe des choses bizarres ici. Deux secondes s'il vous plaît, deux secondes s'il vous plaît. Non mais là, là c'est trop là. Allez, allez. Indice. Ouais, j'ai appuyé sur ça. J'ai appuyé sur ce fil. Et voilà, j'ai appuyé, mais c'est fallait être hyper précis, dans la précision, intrinsèquement liée à l'ultra précision. Ah non, mais ça va deux minutes là, franchement. Hein. Une pincette. Ah, une pincette. Man, la pincette, elle est trop dure à trouver, man. Mais c'est ça une pincette, nom de Dieu, c'est ça une pincette. Non, c'est quoi ça? C'est quoi si c'est pas une pincette alors? Une pincette, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une pincette là? Ouh, elle est la pincette? C'est ça une pincette? Ça? Ah, ça! Jamais de la vie, c'est une pincette ça! Bravo, détective, vous avez trouvé tous les objets cachés à cet endroit. Ceci va être ajouté à notre inventaire. Super, on a une pioche. Je sais pas ça va être pourquoi, mais à mon avis, ça va servir à un truc! Ok, pile rouge. On dirait que le climatiseur ne fonctionne pas. Ah, c'est là qu'il faudra installer les fils? Ouais, mais d'abord, faut les trouver.
Waouh, non mais attendez, c'est super chaud. Oh, je les ai là? Je les ai sur moi les fils ou quoi là? Non, non, je les ai pas. Hein. Non, je les ai pas. Donc avec l'adhésif, on devra trouver les fils. Ah bah le fil il est là. Ok. Bah, je peux vous dire que ça rigole pas du tout. Hein. Comment c'est caché de ouf. Et ça? Non, ça. Non. Inspecter les toilettes? On dirait que quelqu'un a la main verte ici. Ah, il se sert des toilettes pour faire pousser des plantes. Ou remarque, une fois que les toilettes sont propres, tu mets de la terre, ça fait le taf. Hein. Franchement, je dis bravo à la créativité là. Ouais. Une créativité très très bien faite, si vous voulez mon avis. Non mais c'est impossible de trouver ces câbles là. Là, est-ce qu'il y aurait des câbles? Voilà, là. Voilà, ça, alors. Vous voyez un peu? C'est bon, on a trouvé tous les câbles là. Ah, deux petits bâtons. C'est quoi ça? C'est quoi ces bâtons? Qu'est-ce que c'est que ces bâtons? En tout cas, j'en vois pas ici des bâtons. On dirait que cela fait un petit moment que le courrier n'a pas été relevé. Ah ouais, ben en plus il pleut. Hein. Donc le courrier il est en train de prendre la flotte là. Si vous voyez ce que je veux dire. Keep out. No trespassing. Ah ouais. C'est accueillant. Pioche, pelle, hachette. Pioche. Boum. Hachette. C'est pas ça une hachette? Ah non, c'est une batte de baseball. Pincette, lance-fusée, gecko, flèche. Pincette, panneau, chaîne, clé en croix, key de bowling, sifflet. Sifflet. Sifflet, sifflet, sifflet. Je l'avais vu le sifflet, man. Le sifflet. Non, ça c'est un pistolet. Ok. C'est un lance-fusée. Bah, un pistolet lance-fusée alors. Le sifflet, je l'avais vu là. Ah, ça me saoule, je l'avais vu le fusil aussi. Une hachette, c'est ça. Et boum. Le sifflet, je l'avais vu là. J'arrive plus à capter où je l'avais vu. Ouais, super cool. Clé en croix. C'est ça. Qui de bowling? Non, ça c'est une bouteille. J'ai voulu me feinter. Bon, gecko, flèche, pincette, panneau, chaîne. Un panneau? Ah, c'est ça un panneau? Oh non, c'est pas un panneau ça, c'est une plaque d'immatriculation. Ah bon? Et comme vous le savez? Bon, quand même, ça se voit, hein. C'est plus petit qu'un panneau et puis il y a des numéros dessus. Bah ouais, mais parfois, il y a des panneaux où il y a des numéros aussi. Hein. Oh bah non, je crois que je n'ai jamais vu. Ouais, remarquez, je suis peut-être en train de me tromper. Hein. Moi, je suis pas balèze de tout ce qui est panneau, tout ça. Oh, ah bah moi, je m'y connais. Hein. Ah bah ça, je vois bien. Hein. Franchement, vous avez le compas dans l'œil, mais un truc de fou. Hein. Un compas dans l'œil, un truc de fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire quoi? Un truc de fou? Oui. Ah, ça veut dire, en gros, que vous êtes balèze, quoi. Que je suis balèze. Oui, que vous êtes fort. Ouais, vous êtes fort. Ah, que je suis fort. Ah ben merci. Merci. C'est super, super sympa, super gentil, ouais. Queue de bowling, sifflet, pelle. La pelle, je l'ai vue, elle est là. Ni vu ni connu, l'appel. Bowling. C'est ça.
c'est ça. Oh, c'est le sifflet. Eh ben voilà. Je vous avais dit que je l'avais vu. Eh ben franchement, Gecko. Gecko, ça se peut, c'est pas vraiment un gecko, ça se peut, c'est un dessin de gecko. Vous savez quoi? Gecko. Comment je suis en train de scruter? Pincette, panneau, chaîne. Une chaîne? C'est pas ça quand même. Une flèche, c'est ça. Gecko, c'est pas ça quand même. Allez, indice. Mais non, pas la carte, les indices. C'est quoi ça, un gecko? C'est bon, il était invisible ce gecko. Pincette, panneau, chaîne. Une pincette, c'est pas ça une pincette? Panneau, c'est ça panneau? Ah si, ça, c'est un panneau pour fléchette. Ah, il joue sur les mots là. Hein. Un panneau? Un panneau, pour de vrai. Un panneau. Bon. Indice. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pincette ça, pour de vrai? Oh purée. Oh, c'était une pincette. On n'a pas la même définition des pincettes. Parce que des pincettes, ça peut avoir plusieurs formes. Je peux vous le dire. Moi qui m'y connais en pincettes. Panneau, chaîne. Mais les chaînes, c'est quand même pas les menottes. Non, c'est pas les menottes. Ah, panneau, c'est ça? Eh ben purée. Une chaîne. Oh non, j'aurais jamais trouvé. Je l'ai vu et jamais je me suis dit que c'était une chaîne. Bravo Teddy, vous avez trouvé tous les objets. Une pelle, ok. On a gagné une pelle. Est-ce qu'on... Il nous manque tout ça. C'est chercher les objets qui vous serviront à réparer le climatiseur. Les chercher, c'est-à-dire où? Partout? C'est quoi ça? Non mais là, j'ai cliqué parce que je me suis dit bon, il y a peut-être un truc à voir. Ah bah c'est un bâton ça. Ah c'est ouf. C'est fou, il me reste un bâton et une espèce de ventirade, de ventilo. Enfin de ventilo pour climatiseur ou ordinateur. Les ventirades si vous connaissez. Et là c'est quoi là? Y'a pas un bâton là? À côté de lui là? Dans le pot? Non? Là. Là. Vers le salon. Cooter, I'm not having you or any guests until that air conditioner.
Ok, mais... J'ai pas trouvé ce bâton. Ni le ventilo. Allez, ça. Ça. Non? Ah oui, ça. Et boum! Allez, juste un petit bâton, s'il vous plaît, juste un petit bâton, allez. On dirait que Cooler a laissé un morceau de tuyau près du climatiseur. Ah bon? Un morceau de tuyau? Bah, c'est un bâton qu'on cherche là, c'est pas un tuyau, c'est un bâton. Oh, non, il était pas là tout à l'heure. Eh, alors là, il était pas là tout à l'heure. Là, alors là, je garantis, il répare le climatiseur sur le côté de la maison de Travis. Ok, allez, fil vert. Ok, fil bleu. Ok, fil rouge. Ok, bâton. Ouais, c'est pas un bâton, c'est plutôt des câbles en inox là. Ok, ventirade ici. Let's go. Je m'y connais en ventirade. Et là, c'est la grille. Le climatiseur, il est pas réparé là? On dirait que le climatiseur ne fonctionne pas. Pourquoi? J'ai tout mis. Attendez. Couvercle. Et ça, c'est le couvercle pour le ventile. Mais pour le climatiseur? J'ai pas réparé le couvercle là? Il me manque quoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? J'ai tout trouvé les objets. Attendez. Ah oui, du ruban adhésif. Voilà. Ah, en fait, j'ai cru que c'était pour les câbles, mais en fait non, c'était pour bien tenir les morceaux de tuyaux qui étaient cassés. Donc c'est du ruban adhésif exprès auto-réparation, tout ce qui s'ensuit et tralali tout. Voilà. C'était ça. Allez, hop, couvercle. Hop, objectif atteint, réparé. Et boum! Dites à Travis que vous avez réparé le climatiseur. Ok, c'est parti, let's go. Salut Travis, comment ça va? Mais d'où provient ce merveilleux ronronnement? Mais si c'est mon vieux climatiseur qui marche à nouveau, alors vous venez de vous faire un nouveau meilleur ami. Maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pirate. Comme je vous le disais, on dit que ce célèbre pirate Phineas Cowan a fait construire le manoir d'à côté. On dit également qu'il a enterré dans le cimetière le long du sentier. Les gens du coin sont assez intelligents pour ne pas s'y aventurer, si vous voulez mon avis. Légende. Oh, Phineas Cowan était loin d'être un tendre. Il faisait de la contrebande sur les côtes de la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle. Et il a même fait de la piraterie dans le golfe du Mexique. Lui et son équipage accostaient les navires marchands en pleine nuit et zigouillaient tout le monde à bord. Il ne se contentait pas de piller les bateaux, non! Il tuait les gens qui étaient sur le bateau. Personne ne sait ce que sont devenus les bateaux qu'il a pillés. Certains disent qu'il a fait remonter le Mississippi jusqu'au marécage. Lorsqu'il est devenu trop vieux pour la piraterie, il a fait construire une belle demeure et a organisé une fête. Et c'est là qu'un horrible incendie a éclaté, brûlant vif tous les invités jusqu'au dernier. Entrez dans la maison et présentez-vous à la femme de Travis. Heureusement pour moi, avec tout ce qui traînait autour de la maison de Monsieur Landry, j'ai pu trouver de quoi réparer le climatiseur. Maintenant, je peux ajouter sur mon CV spécialiste en maintenance de climatiseur au cas où je devrais me reconvertir. Pas mal. Une fois le ventre rempli de délicieux gumbo, Monsieur Landry m'a raconté tout ce qu'il savait sur le pirate Phineas Cowan. Une légende du coin raconte que le capitaine Cowan avait attaqué plusieurs vaisseaux dans le golfe du Mexique avant de leur faire remonter le Mississippi jusqu'au marécage voisin. Après s'être retiré de sa criminelle profession, il avait soi-disant construit le manoir où vivent actuellement les Lawson. Peu après la construction de la maison, un incendie dévasta le manoir et fit plusieurs victimes. Un article de journal que j'ai trouvé corrobore cette information à un point près. Le manoir appartenait à un certain Poncer.
et non pas Crown. Quelque chose cloche dans cette histoire, mais en quoi est lié à la disparition? Mais en quoi est-ce lié à la disparition de Monsieur Lawson? Marilee me cacherait-elle quelque chose? Ah, vous voyez, on commence à s'interroger là. On commence à s'interroger. Écoutez, on va se laisser sur ce cher Travis qui nous pointe de son arme et sur son beau petit chien. Donc je préfère pas cette vue, je préfère celle-là. Yes, ça va mon gars, petit Travis, t'as mangé ton gumbo? Yes man, t'as vu? Il fait moite hein. T'inquiète, j'ai réparé ton climatiseur frérot. Ça va Travis? Travis, ça va tranquille? Allez. Bon écoutez tout le monde, on se laisse là. C'était Draco pour cette super vidéo, cette méga super ultime vidéo. Hein? Ouais. Non. Ouais, c'était Draco pour cette vidéo. Calmez-vous, on plaisante ici. Attention, mes vidéos, c'est toujours de la bombe, que voulez-vous? Yes, go, man, let's go. Donc on se laisse ici, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. Prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux de compagnie. On se laisse là et je vous dis bye bye et à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!